Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 22 mai sur l'hippodrome de Mokanchi. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur l'étape du Grand National du Trot qui avait lieu ce mercredi sur le site du Croisé-la-Roche, dans la banlieue lilloise. Fair Play d'Urzy, le favori, fautif, c'est Flèche du Yuka, le numéro 6, qui s'impose très plaisamment. Notons que Top Prono et Turf Sélection donnent le quartet dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, félicitons Lapinos 81, Jamaria et Oscar 65, qui, à l'image de Bouboule, Milcor 0416 et Soso 50, trouvent le quartet des ordres ainsi que les bonnes bases. Bravo à vous tous. Allez, abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du vendredi 22 mai 2020. Ce n'est pas Vincennes, mais bien Rouen-Mokanchi qui accueillera l'événement quotidien hippique préféré des Français. Le prix du crépuscule, troisième course de la Réunion 1 avec un départ donné à 18h pétante, est un groupe 3 de très haut niveau. Ils seront 13 trotteurs de grande classe à prendre part au parcours des 2150 mètres départ lancés, et ce pour notre plus grand bonheur. Dorgos de Guès, le numéro 7, est un cheval de très grand talent mis au point par Jean-Michel Bazire. Associé à un Alex Abrivard qu'il connaît sur le bout des doigts et déchaussé totalement aujourd'hui, c'est une première chance avant coup. Chicadjoud, le numéro 1, est probablement la meilleure jument trotteuse française actuellement. À elle de le prouver sur cet anneau normand qui lui conviendra parfaitement. Eridan, le numéro 6, a un joli rush final et si Eric Raffin le planque durant le parcours, il peut remarquablement terminer. Détroit Castellet, le numéro 3, déféré des 4 pieds pour la circonstance, est en mesure de terminer comme une balle s'il est décidé. Elvis Duvallon, le numéro 12, n'a qu'à disposer d'un bon parcours malgré son numéro en deuxième ligne pour introduire la bonne combinaison du quinté plus. Cliff Dupomereux, le numéro 4, déféré des 4 pieds et courageux en diable, peut prétendre à une place, qui plus est avec l'aide du talentueux Mathieu Abrivard. Sinon, partant, il venait à y avoir, Express Jet, le numéro 10, un bon Vercruis, entrerait alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quinté plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quinté.